أقيم مساء أمس الأحد حفلاً ترفيهياً خيرياً لجمع تبرعات لأطفال مرضى السرطان بدار الثقافات المغربية الفلامانيا داركوم، وبدعم من المؤسسة ذاتها وشركة ميسا إيفنت ومجموعة من الشركات التي لم تبخل بتقديم الدعم المادي للحفل. Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qu'on va m'annoncer? Qu'est-ce qui se passe? Alors que je savais très bien que c'était un cancer. Avant la biopsie. وقد أقيمت ندوة لنشر التوعية حول مرض السرطان عند الأطفال والتعريف بأهمية الكشف المبكر عنه، وكذا كيفية التعامل مع المرضى وأهاليهم، مؤكدين دور كل من المجتمع المدني والقطاع الحكومي في مواجهة التحديات التنموية والاجتماعية. Donc voilà, bonjour. Nous sommes réunis pour la journée Sunchild. Sunchild est une association qui existe depuis 25 ans maintenant, qui s'occupe des enfants cancéreux. Nous avons la chance d'être reçus ici au Centre culturel maroco-flamand d'Arcom. Je suis entouré d'Inès et Anissa, deux charmantes bénévoles qui nous aident pour cette journée, donc qui servira à récolter des fonds pour les enfants cancéreux, pour la SBL Sunchild et Bulle de Sang. Donc, en tant que président d'Orphelins du Monde, Zora, l'organisatrice, nous a demandé d'être partenaire. Et nous avons pu collaborer et nous avons découvert les différents aspects de la maladie. Comme vous savez, le cancer touche aussi bien les adultes que les enfants dans le monde entier, peu importe l'ethnie, peu importe voilà, la religion, nous sommes tous concernés. Donc aujourd'hui, nous avons voulu faire un événement, on va dire, interculturel. Maroc, Belgique, autour de la thématique du cancer et pour les enfants atteints de cette maladie. Mais peut-être qu'on va donner la parole à la jeunesse aussi. Donc Anissa, tu as quelques mots à dire? Oui, donc voilà, moi je m'appelle Anissa, j'ai 17 ans et aujourd'hui j'ai décidé de venir parce que tout simplement c'est une cause qui me touche énormément. D'une part parce que ma tante a été touchée par le cancer, parce qu'elle a perdu un fils, du coup j'ai deux fils été touchés. Et d'autre part parce que c'est quelque chose qui me touche, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez et que ça mérite tout simplement de se mobiliser, de venir, de rencontrer d'autres personnes et de tout simplement en parler, de mettre des mots sur des peines ou de tout simplement se retrouver pour partager autour d'un petit tanka ou d'un petit sourire tout simplement. وفي سياق متصل ضم الحفل مجموعة من الأنشطة الاستعراضية التي قدمت عروضا وخيارات واسعة من الأطعمة والمشروبات الصحية، حيث كان الإقبال على الحلويات المغربية مكثفا ضمن أجواء عائلية تناسب كل أفراد الأسرة. إيمان الغربي، je suis artiste peintre, fennana et thérapeute également. Aujourd'hui, j'expose mes toiles autour de l'identité et l'art thérapie parce que je suis aussi art thérapeute, donc je fais ce qu'on appelle le fendawai. Et donc voilà, c'est un honneur pour moi de participer aujourd'hui à cet événement qui est en faveur des enfants malades. السلام عليكم كاملين. جينا كنعاونوا هاد الدراري مساكين مرات، كنعاونوهم كل عام، كل عام كنجي انا كنحضر في هاد الشيء، واخا ما نجيش كنعاونهم هاد العيال، كتعرف العيال الصغار مساكن مرات خصنا نعاونوهم. حنا مسلمين، علاش الله خلقنا باش نعاونوا بعضنا ونوقفوا مع بعضنا. Macadam se creusent les tombes des enfants d'Adam. ولأن للموسيقى دور ورسالة في إضفاء البهجة على وجه الحضور، ساهم مجموعة من الفنانين بتقديم مجموعة من الأغاني وسط تفاعل قوي من الحضور. Se connaît bien, t'as même voulu te faire ma mère, hein. T'as commencé par ses seins, et puis du poumon à mon père, je t'en souviens. Venu aujourd'hui contribuer modestement, artistiquement, à cet événement tellement important d'essayer de trouver les remèdes, les solutions pour les gens malades, atteints de cette maladie dramatique qu'est le cancer, qui touche
le monde entier, toute religion, toute classe sociale confondue. Et je suis venue modestement apporter cette contribution. J'espère l'avoir fait avec mon cœur. Et il y a beaucoup de gens qui étaient là pour ça. Et bravo aux gens qui œuvrent tous les jours à aider les enfants qui sont atteints du cancer. وقد صادف الحفل حضور العداء المغربي نجيم القادي الذي صعد ورايته المغربية الخشبة وسط تشجيع من الجمهور المغربي. Najim, est-ce que tu vas nous faire l'honneur de nous dire quelques mots pour notre audience ce soir? Je vais te prendre le drapeau. Le Maroc! Le Maroc!